Coucou les canards, bienvenue pour ces quarts de finale de la DreamHack The We Open. Faites du bruit! Youpi! Quelle docilité dans la foule, toujours bienvenue ici au Gaming TV avec monsieur Dr Yogo et Dr Todd quelque part, puisque clairement on est sur du bac plus 5, bac plus 7 minimum en termes de jeux vidéo compétitifs. Comment ça va les gars? C'est ça, bien trop chaud après une série dantesque où Nercho l'emportait complètement à l'arraché face à un Nive. Et ce qui était marrant, c'est qu'il fallait voir le crew, ils étaient tous là. Allez, ouais! Genre, ils étaient trop chauds quand Nercho a gagné. J'en ai, mais pourquoi vous étiez pour Nercho? Allez, l'Europe, on est trop chaud, c'est trop joué! Les gars, tous éliminés du tournoi qui étaient là en mode on est trop bon parce que Nercho a gagné. Tu vois, c'était leur réconfort. C'était juste dans pour, cette victoire. Pour niquer les US. Très bien. Todd, comment est-ce que tu as vécu cette série? Bien et pas bien. D'un côté, je suis pour l'Europe, mais je suis aussi Protoss, donc c'est dur de choisir. Ouais. Mais au final, voilà, on est content quand même que les Européens représentent un petit peu, parce que à la semaine dernière à Austin, c'était une finale États-Unis contre Corée. Ouais. Donc là, il faut représenter un minimum. On est en France quand même. Clairement, on s'est fait souiller là, il y a une semaine. En tout cas, le beau jeu a prévalu. Mm-hmm. Clairement, Nercio a été un peu meilleur, mais c'est vrai que c'était très 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 serré comme série. Et tôt ou tard dans le flux, à un moment donné, il va y avoir un récap de ces matchs, voilà, si vous n'avez pas vu les meilleurs moves. Là, on se concentre sur un autre match qui va voir s'affronter Showtime, qui donc vient de la team Millennium et de l'Allemagne, et Violet, donc de la team Envious. C'est ça. Et de Corée. Alors, vous avez le bracket, hein, donc on a déjà les deux demi-finalistes, les premiers de demain. Paul contre Nercho, on va déterminer les deux derniers. Showtime, Violet dans un premier temps. Massa contre Cham de l'autre, genre grosse surprise. Peut-être pas de retrouver Massa après ses performances à Austin, mais Cham quand même. C'est la grosse surprise du tournoi. Absolument. Et Showtime, par contre, qui lui, apparemment, il a qu'un match-up à jouer dans ce tournoi. Pour l'instant, il a joué deux Zerg, il va jouer son troisième là. Je l'ai commenté dans ses matchs précédents contre les Zerg, donc je vais pouvoir essayer d'expliquer le mieux possible à peu près ce que j'ai vu et ce que je pense qu'on va pouvoir voir là de sa part. Et c'est marrant en fait de rencontrer autant de Zerg, parce que d'un côté, c'est le seul match-up sur lequel il a à se concentrer, mais de l'autre, il a utilisé beaucoup de builds différents. Évidemment, Violet a dû l'étudier et regarder ce qu'il faisait. Donc du coup, il ne reste plus beaucoup de builds, il va peut-être essayer de changer un petit peu tout ça. Donc ça va être très intéressant la dynamique qu'on va avoir dans ce match-up. On va voir comment il va faire pour faire la différence. Les joueurs qui vont entrer sur scène d'un moment à l'autre. Et il nous reste le temps du coup de remercier les sponsors de l'événement. Donc Zoe bien évidemment pour les périphériques Alienware et Razer, ainsi que G2A avec Monster. Voilà, tout simplement. Pour la patate, le soir. Pour la patate. T'étais en train de réfléchir à si t'en avais oublié un là. Non, exactement, exactement. J'espère qu'un jour j'arriverai à les faire. Comme voilà. Apollo. C'est vraiment des. Et comment il répète toute la soirée Apollo, des formations professionnelles de caster. Ouais, à mon avis, il doit se les répéter 100 fois avant qu'on passe en live, quoi. Et après, s'il oublie quand même une fois, ce serait grave quand même. C'est ça. Ou alors il a le vieux prompteur, peut-être devant lui. On n'est pas encore là. Un jour. Donc voilà, n'hésitez pas à participer également, hashtag DH Open, hashtag WCS, si vous voulez envoyer des participations, des mémés, des vidéos, des vines, des petits dessins sur Paint. Si vous voulez vous amuser tout simplement, pourquoi pas notifier le nouveau tatouage de Todd par exemple, qui a défrayé la chronique il y a quelques mois quand il a décidé de se faire dessiner une tête de chat sur l'épaule. Et, ou alors tout simplement, voilà, ce qui vous fait marrer. Donc ceci n'hésitez est pas. Un tigre. C'est un tigre d'ailleurs, si un jour on aura la chance d'avoir un gros plan, ce tigre, voilà, clairement qui maintenant... Allez. Il y en a qui sont emballés, voilà. Allez pour les tigres sur Todd. Voilà. Bien sûr. Bon alors qu'est-ce qu'on en pense de ce match? De votre côté. J'en pense que Showtime, tu sais, il a gagné, tu dis c'est bon, il est chaud dans le match-up, tu regardes les résultats, 3-2, 3-2, et tu regardes les games, il a transpiré comme je pas vais vous couper, Smix accueille les joueurs sur scène, on en parle juste après. We just saw our first two players reach the top four, and it is time to find out which player will join them in the top four. For our next match, it is a three-time EPS champion going up against an MLG and IEM champion. Toa, please welcome on stage Showtime and Violet. Now, Showtime,
Winning here would mean the first top four finish for you in 2016. I know that must mean a lot because everyone knows you are one of the best Protoss players in Europe. Now, you have had an interesting road to get to the top eight here. You had to play two Zergs. It was a 3-2 against Sword of, 3-2 against Gru, and now you're facing Violet. So because you've had so much PvZ experience, I don't know, do you think that helps you in this matchup against Violet? Honestly, like every tournament I go to, I get only Zerg. So I feel like I'm cursed or something. But beating two Zergs here, of course, gives me some confidence, even though the series were close. So it's time to kill the third Zerg. All right then. Another Zerg stands in Showtime's path, and that is you, Violet. Violet, as I mentioned earlier, you are a former MLG and IEM champion, but of course that was quite a while ago. Now, you have a chance here. If you win here, you do make it to the top four and potentially have a chance at becoming champion again. But of course, Showtime, a very strong Protoss opponent, stands in your way. So what are your thoughts? First, he's like hardest opponent so far, so I have to show my everything, like tomorrow, do my best, and it's nothing much to say. I need to win, and I want to say like it's even this late for being awesome. This crowd, for thank you. Well, it is time to find out who our third semi-finalist will be. Players, you may shake hands and enter the booth. Will it be Germany or Korea that joins Polt and Nurcio in the top four here at the Spring Championship? Let's find out. Thanks, you rock. Donc c'est voilà. Kratos, OK. Donc voilà, la bonne question qui se pose, voilà, d'une, qui rejoindra Nurcio et Polt. Et deuxième question d'importance, est-ce que cette fois-ci, on aura une cérémonie de champagne pas ridicule? Est-ce que quelqu'un va coacher c'est les, pas possible. Les semi-finalistes? À moins que Stefano revienne et que recommence à gagner, à mon avis, on l'aura pas, quoi. Non, mais au moins, lui, t'es sûr qu'il la descend, la bouteille. Pourtant, après, il est là, tu veux que je te coach, tu veux que je te coach. Mais il faut juste leur expliquer qu'en fait, tu secoues après avoir ouvert et pas avant, quoi. Bah en fait, coach-les, dis-leur. Putain, je vais peut-être faire ça. Non, non, parce que la dernière qu'on a vue, cérémonie, c'était Hydra, tu vois, quand il a gagné Austin. Il était comme ça, tu vois. Mais tu vas oui, hein. Qu'est-ce que tu fais ça, c'est ça. En fait, ils secouent, ensuite ils ouvrent, donc il ne se passe rien. Ouais. Et après, ils le projettent comme ça, de manière assez, assez ridicule. Il regardait le bouchon en même temps. Et après, tu secoues. Je sais pas ce qui est le plus marrant. Est-ce que c'est le fait que ça te dérange autant ou le fait que tu nous donnes une analyse de la façon dont ils ont essayé ah non, de popper mais la bouteille? Le build order de cette ouverture de taille est inacceptable. Après 6 ans, tu vois, tu commences à théorie crafter un peu le bordel, quoi. Tu commences à faire tes théories. Il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo tuto en plus là-dessus, il me semble. Oui, bah la Dreamhack pour une point de leur event, ils avaient. Et personne l'a regardé. Quoi. Très bien, bah, ce sera l'apport de gaming dans cette Dreamhack Tour. C'est on va coacher les joueurs pour ouvrir la bouteille de champ. C'est ça. C'est noté en régie. Chacun le warm-up avant de rentrer dans la box à la finale, on mettra une petite bouteille de champomie, tu vois, parce que c'est le début, c'est pas encore la fête. Yata s'en occupera lui-même. Laissez-moi passer, laissez-moi ouvrir la bouteille. Big up à Yata, bien sûr, la réalisation. Après un headbang comme ça, hop. Très bien. Donc, les pronos. Alors, les pronos, Violette contre Showtime. Moi, j'étais un petit peu obligé, j'ai balancé le Showtime 3-2, qui est d'accord. Beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes pas d'accord. Il nous manque un prono, celui du Todd. Comment t'allez-vous pour C'est dur, j'avoue. Là. Je dirais, allez, Showtime 3-2. Showtime 3-2. Showtime. Je pense qu'il a montré pas mal de bonnes choses. Violette, hein. Tu l'as dit toi-même, il a galéré, il a transpiré contre les Zergs précédents, mais c'était des styles différents. Ah ouais. Je pense que ça lui a bien servi d'échauffement. Là, il a eu beaucoup de temps pour réfléchir à son prochain match contre Violette, et à mon avis, ça va envoyer. Ouais, et puis il m'a presque même dit, grosso merdo, c'est presque plus facile de jouer un Violette qu'un Gourou. Gourou, tu ne comprends rien à comment Mais nous, on était totalement confus au cast. Non, mais ça fait 3 ans que... Non, mais In Control, c'est plein pendant 30 minutes. Quoi. Le mec, il a pris 6 gaz, il a pris 8 bases, il avait que 6 gaz, il a jamais pris de gaz de plus. Il avait 4000 de minerai, aucun gaz, il faisait que des lignes et il faisait que contre-attaquer. Non, mais j'ai jamais vu un truc pareil. Ce joueur est hallucinant en fait. Ça fait 3 ans que je le vois jouer, 3 ans que je ne comprends pas. On parle de Gourou. Et il pète tout le monde, le mec, il arrivait comme Road of 16. Mais c'était chaud, hein, ouais, en plus contre Showtime. Non, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que tu l'as vu jouer? Est-ce que tu as été derrière lui? Non, mais il paraît que, on dirait. Les mains sont fixes en fait. Un Gold. Il joue très lentement, utilise F2 pour son armée. C'est ça, mais le F2 même à la souris, tu vois. Les mains ne bougent pas et pourtant il a un excellent contrôle et il a une intelligence de jeu qui fait que ça. Apparemment, c'est pas le coréen qui a besoin de ses 400 d'APM. Puisqu'il s'est fait péter, mais bon, ouais, comme tu dis, ouais, Showtime. Il a battu Schnout quand même. Mais il a battu Schnout, ah ouais, quand même. C'est le plus gros tryharder de la scène foreigner. Big up à Gourou, du coup.
deuxième rang des WCS, Snoots, qui a perdu au premier tour ici. Quoi. C'était assez choquant. Ouais. Mais donc du coup, voilà, Showtime qui finit par s'imposer et qui affronte Violette. Est-ce que vous voulez dire, voilà, c'est peut-être plus prévisible un Violette, plus conventionnel en tout cas. Standard, c'est ça. Ouais. Plus conventionnel. D'un mais côté, oui. Mais c'est dur de trouver des VOD sur Violette parce qu'il n'a pas fait trop de tournois récemment et je crois pas qu'il ait joué de Protoss en particulier depuis un bout de temps. Est-ce que Showtime a confirmé, j'étais en train de lui parler un petit peu. Et en fait, il a eu un problème dans son match précédent contre Gohou dans lequel il attaquait pas beaucoup, il se défendait énormément et je pense qu'il était très confus en fait. Et dans la dernière partie, il a été super agressif et ça s'est bien passé pour lui. Mais là, du coup, il va jouer un Violette où à mon avis, il va falloir avoir un petit peu plus de Killer Instinct qui lui a manqué dans son match précédent. Et en fait, tout à l'heure, je suis passé derrière lui vite fait. Et je l'ai vu en train de quitter une partie où il était sur le point d'attaquer sur Dust Towers et il me semble qu'il avait deux bases avec beaucoup de gates. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, je vais jeter un coup d'œil. Il va dans les replays, il était contre un ordinateur, donc en gros il s'entraînait à faire un build tout seul. Et je lui dis mais qu'est-ce que c'est que ça, il me fait ouais c'est un build auquel que je réfléchis à faire. Mais je pense que c'est peut-être une mauvaise idée. Donc, je sais pas s'il va le faire, mais ça va être intéressant. On dirait que, en fait, Showtime, il argumente dans sa tête contre lui-même. Il est là, vas-y, fais-le. Non, le fais pas. En fait. Recule, non, attaque, non, n'attaque pas. Un peu de schizophrénie. Il y a deux post-it, tu vois, le pour, le contre. Il regarde à la fin. C'est ça. Il fait son petit bulle. C'est le evil Showtime et le good Showtime et tout. Ce serait marrant ouais, qu'il nous sorte des stratégies. Après, comme on l'a dit, voilà, ce qui est intéressant là, c'est que les joueurs ont déjà montré beaucoup de stratégies. Oui. Et un peu comme dans Pokémon, ils ont sorti beaucoup de cartes. Ouais. Et il va falloir maintenant choisir. Est-ce que tu vas sur une stratégie qui peut être connue ou alors est-ce que tu as encore des spéciales tactiques dans ta manche? Ah, c'est là en fait faut savoir communiquer avec Az. Tu viens lui demander oh pendant que l'on rentre dans la petite game ici tranquillement en bas à gauche un joueur coréen il est sûr il nous a fait un pâté de Rochebureau contre Massa. Il s'agit de Violette. Coucou. Bonjour les gens. Et en haut à droite de la map, pour la team Millennium, il s'agit de Showtime. Je suis tellement content qu'on soit sur la carte dont je viens juste de parler, parce qu'on va avoir la réponse. Est-ce que ça va être un 2 base ou pas? C'est sur Dusk. La carte macro, genre il a la carte où voilà, on est censé macro et il n'y a jamais personne qui fait 2 bases en vrai, vu que c'est la troisième base, elle est plus ou moins gratuite, elle est facile à prendre, là, facile à défendre. T'es sur un bureau 5, s'il faut envoyer, tu vois, c'est un peu maintenant tout de suite qu'il faut sortir les stratégies. Oh, Violette, allez, voilà. Team, triple hatch, genre 4. Double hatch de la part de Violette qui commence direct en annonçant la couleur. Bah Showtime punit très peu à mon avis, c'est pas comme si tu jouais un SOS où voilà, y a la menace d'un petit canon rush à toutes les games. Il faut être en mode méga parano, ouvrir pool 12 quoi limite pour être safe. Donc là, il va un petit peu se décomplexer, bon voilà, c'est pas particulièrement risqué contre un Showtime et ça va passer très facilement. Après à partir de là, est-ce que Showtime essaie de peut-être jouer un petit peu plus agressif? Est-ce que ça l'encourage encore plus à peut-être tenter le 2 base dont je parlais avec beaucoup de gates? On va voir, le truc c'est que s'il fait ça sur cette carte et que ça passe pas, il est vraiment mal parce que le reste des cartes ça va être super tendu dessus. C'est exactement ça. Et quand t'es un Protoss qui maîtrise aussi bien la macro game comme Showtime, t'as pas envie de gâcher ce potentiel. Je vais pas dire free point, mais carte sur laquelle tu vas maîtriser, t'auras pas forcément d'embrouille. Dès que t'arrives sur des parties genre la chorale, on l'a vu tout à l'heure avec Nercheux contre Nib, ça part en sucette, le mec qui prend la gold de milieu, t'as pas envie de finir face serrée là-dessus. Donc si tu veux prendre un petit point tranquille, tu vas essayer de le chercher sur Dusk. Ok, on vient piquer du minerai quand même, cette preuve qui n'a aucun respect. Et comme on l'a dit, ouais, peut-être une stratégie originale de la part de Showtime. Après, pour comprendre son jeu, effectivement, voilà, il nous l'a dit lui-même, c'est plutôt un joueur défensif qui va avoir tendance à vraiment prendre son temps. C'est ça, c'est en fait, la tote, tu vois, il veut pas trop balancer, il veut pas trop spoiler le truc de base, tu vois, il veut garder le secret. Mais est-ce que ça se dirigeait comme ça, le truc que t'as vu? Il me semble qu'il y avait. En fait, il faisait un 2 base avec beaucoup d'adeptes, il me semble, donc avec la vitesse d'attaque des adeptes, et là. Ça robot et les gates derrière, là ça ressemble beaucoup au truc que j'ai vu. Attention là, ça risque d'être chaud. On a vu en fait beaucoup de Stargate précédemment dans ces games contre Zerg, et là le fait déjà qu'il change et qu'il part sur un Stalker, ah oui, la vitesse des adeptes là qui est lancée. Ok, le attention. Call, le Todd call qui est en voie d'être respecté ici, peut-être un Mass Adept, un espèce de... Mais ça va faire très très mal hein, parce que déjà que le Mass Adept c'est fort, alors en plus quand le Zerg a dépenser beaucoup de ces minerais dans des bases et dans des drones, ça va partir comme des petits pains au lait. Attention. C'est ça, surtout quand ils viennent les faire chez toi, c'est là que ça devient complètement emmerdant. C'est l'une des stratégies. Allez, déjà 3. Oh déjà 3 gates. Ah ouais, mais ça va être ultra. Allez, 4, allez, ça va monter. LOL. Est-ce que vous pensez que ça passe dans la salle? Oui. Oui. Il y a
il y a beaucoup de zerg quand même. Ouais, c'est ça. Quoi. Ouais, peut-être. Non. En fait, tu vois, c'est l'influence Lilbo, non? Tu penses? Oh là là. Ça rajoute de gay. Ah, ça va pas ça. C'est ce que j'avais vu exactement. Pourquoi est-ce que c'est du Lilbo? T'as masse de gay et t'as un petit pylône au milieu. Mais en fait, tout le temps, il a tout le temps l'artiste. À mon avis, c'est brillant de faire ça parce que, imagine Violette, il joue un Showtime qui sait, aime être super passif, jouer macro, prendre 3 bases. Là, imagine sur la première carte, il se prend ça et il perd. Ouais. Le reste du match, qu'est-ce qu'il va penser? Il va se dire tout est possible et ce sera déjà la misère pour lui d'essayer de s'adapter et de plus scouter dans les parties précédentes. Il n'y a pas trop de choix, Ren, là. C'est ça. Donc à mon avis, il est plus ou moins censé mourir. Il va se dire, ça se trouve, il est passé derrière le PC de As, tu vois, il a chopé le pack de replay, le match historique, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les builds? Comment exactement. On gagne? Là, concrètement, Violette va essayer de faire quelque chose d'inédit, c'est-à-dire arrêter un coup de pied ou un coup de genou avec les burns. Et ça, autant te dire que... qu'il y a du dégât collatéral. Mais là, il est en but multiple, tu vois. Il y a un... Oh, ça n'est pas vu. Oh, le ninja. Oh là là. Le prisme ninja qui passe ici et qui commence et à... Et c'était voulu, hein. Ouais. Il se doutait que l'over était là. Mais ça risque d'être chaud, là, messieurs. Et là, voilà, je m'attends à ce que vous criez comme des fous. Exactement. Ah, mais c'est un petit peu le plomb, mais... Dans la salle pour les fans de Showtime. Oh là là, oh là là, c'est débarqué sur un coup de droit. Et là, tu... Mais il y a beaucoup trop d'idées pour... Beaucoup d'adeptes. Coucou. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et on va warper, masse d'adeptes et le go qui est envoyé de la part de Showtime. Il n'y a rien pour contrer en face, on a que des Zerglings et des Queens. Ok, il se recroqueville ici tranquillement. Attention, oh la micro. Oh la micro. On garde le prisme en vie ici. Beaucoup de Zerglings qui sont déjà tombés et on va continuer. On va rewarp dans la main. Tous les Zerglings de Violette qui sont au tapis. Et c'est maintenant les drones qui sont chicotés. Ouais, il faut que ça fasse super mal. Il n'y a que 38 probes contre 51 drones. Il faut qu'ils tuent au moins 30 drones là, je pense. Donc il va falloir faire beaucoup plus mal que ça. Et on a les premières grosses unités avec les rouges qui vont sortir bientôt là chez Zerg. Il commence à avoir tellement d'adeptes qu'il peut aller péter la queen. Il peut peut-être aller péter le span ici. Il y va. Il téléporte. Voilà les queen qui vont complètement défoncer la face. Oh là là. Oh là là, il y a beaucoup d'adeptes, la micro-gestion de la part de Showtime qui sauve quelques adeptes et qui a déjà tombé pas mal de drones. On est à 48 drones, comme on l'a dit, il faut être encore plus incisif, ça warp, Showtime qui est en train de mettre la misère à Violette et qui, contre toute attente, se montre offensif comme un Lilbo en furie. Ah mais il est en train... Et il choisit de se battre contre les unités, d'habitude il y a beaucoup de toss qui vont chercher les drones, non, là il essaie de tout tuer le plus possible et de faire un... Mais un mode boule de neige qui se développe beaucoup trop. Les petits adeptes qui ont chié mais qui ont pink aussi, je les rapatrie, hein, les uns après les autres, bim, le premier point dans ta face, un gros 7 gate, non 8 gate, en femme. Ah là là, énorme. Et là bon, tu vois dans sa tête, elle se dit, bon Violette, je suis désolé mais t'as intérêt à scooter parce que sinon tu vas le payer très cher à partir de maintenant. Ah oui, non mais c'est ça, donc le mec, en gros, d'après ce que tu nous as dit Todd, il a fait un build contre l'ordinateur. Le mec l'a pas testé plus loin, il s'est dit ok c'est bon, je vais le faire passer à Violette. Tu vois le mec il est passé du stade aïe facile, Violette. C'est ça. Y a pas de problème, tout va bien. Ça se teste. Tout va bien. Mais c'est tellement intelligent je pense de commencer un match comme ça, même s'il avait perdu, juste de tenter le... S'il gagne, il y a tellement de plus de victoires que juste gagner une carte. Là en termes de méta, Violette il sait plus quoi penser. Là dans les matchs, dans les prochains matchs, il va devoir jouer tellement plus safe. Ouais. Juste parce que voilà, il va y avoir cette menace qu'il pourrait encore y avoir un BO similaire. Premier build. Non, clairement, c'est psychologiquement très très important pour Showtime. Il vient de complètement rebattre les cartes, quelque part. Et là, Violette est déstabilisée. Alors, peut-être que Violette n'avait pas particulièrement travaillé Showtime. Peut-être qu'ils disaient, bah, encore un dragon d'Européen. Ouais, un peu comme les Dodds aussi. Enfin, il déjoue un peu les pronostics de la carte. Donc, si tu as travaillé Showtime, justement, tu sais qu'il ne fait pas le build. C'est là où tu te fais arnaquer et où Showtime est malin. Et ce qui est énorme, c'est que la partie, elle a beau se finir vite. On a beau avoir l'impression que c'est un massacre. En vrai, il tryhard la micro-luchon Showtime. S'il est pas au taquet, genre sur ce genre de section où il récupère chacun des adeptes, il balance le cycle de voix, il arrive à encercler les cafards. Si tu n'exécutes pas ça à fond à 300 d'APM, tu te fais défoncer la face. Donc plus que de passer un all-in, c'est pas genre des DT, le mec a pas de détection, il meurt. C'est tu micro, tu montes à ton adversaire, t'es capable de le outplay sur une section de micro. L'un des premiers joueurs, il me semble, qui avait fait ça beaucoup, c'était CJ Hero. Il avait battu beaucoup de zerg dans les ligues coréennes et c'était trop bien exécuté. J'avais essayé de le faire moi-même, j'avais battu quelques zerg, mais dès que ça commençait à bien jouer, ça se passait beaucoup plus mal. Et là, Showtime, il a pris des très bonnes décisions, notamment celle de se battre sur la B3 et de rester là parce qu'il savait que les renforts allaient arriver trop lentement de la B1 ou de la B2. En tout cas, on est parti, game numéro 2, un joueur qui s'est fait un petit peu souiller, mais on est confiant quant à son skill, il est coréen, il a déjà gagné un UM, il s'agit de Violette. Pour la team Envious, teammate de Polt donc. Violette toujours en train de cicatriser en face.
un boucher pour le coup qui va récupérer en tout cas une image de quelqu'un de dangereux et d'imprévisible. Il s'agit du jeune joueur allemand Showtime. It's Showtime. 22 ans quand même, hein. Très jeune encore. Un boucher psionique. C'est ça. Avec ses lames. Exactement. Il a fait, qui ont fait le café. C'est ça, avec le cutting laser, il y a un peu rien de mieux, tu vois. Précision. Tu fais raser de près, hein. Ça, tu fais des petites tranches de sauciflard, gentiment. Tu tailles fin. Tu tailles en lamelles. Et c'est, en fait, c'est marrant que Showtime, d'ailleurs, il l'ouvre très souvent comme ça avec la guette. C'est tellement un build nouveau qu'on voit là de plus en plus. Avant, c'était la guette en haut de la rampe, etc. Exclusivement. Maintenant, on les voit un petit peu partout, en bas de la rampe, au niveau de la B2. Et je trouve ça super que les Protoss aient vraiment développé leur build. Regarde, tu vois, il a commencé à faire le wall au niveau de sa B2 avec le pylône derrière. Il va sûrement y avoir l'accord à droite du Nexus et juste au-dessus de la guette. Ça, ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose qu'il a montré face à Sortov, donc il n'a pas peur de le faire. Mais face à Sortov, il s'est passé quoi? Il s'est pris un 12 poules et il l'a défendu genre parfaitement, parce que ce petit SimCity permet de sortir tes sons, tu bricoles ton petit machin et ça tient. Maintenant, voilà, faut faire attention parce que c'est t'exposes toujours tes bâtiments, donc tu peux être vulnérable à d'autres choses. Bah alors Violette, qu'est-ce qui se passe? On fait plus triple H? Bah là, un truc intelligent à faire là pour Showtime, ce serait de justement passer sur du mode greedy. Si Violette a peur d'une agression, peut-être qu'il va jouer un petit peu moins greedy lui-même. Donc peut-être jouer une Stargate, voire double Stargate, vers de limo, etc. Jouer classique, standard. Showtime est connu pour sa défense et son jeu super bon défensif. Donc à mon avis, s'il venait à jouer comme ça, bah, il aurait un très bon avantage déjà dans cette deuxième partie aussi. C'est ça, il a déjà mis un petit coup de taser à son adversaire qui est encore en PLS. Ça pourrait payer effectivement. La B3 qui est tentée de la part de Violette, c'est sous les yeux de cette probe. C'est ça, et puis tu viens le pourrir, le mec il a pas triple H, et bah tiens, ça me laisse le temps d'arriver avec ma sonde, je t'emmerde le plus possible. Et maintenant, quel est le plan côté Showtime? Est-ce que justement il joue la grid, porte spatiale, le truc le plus standard qui soit? D'ailleurs, Showtime, pour la petite histoire, il était à 0-2 contre Guru avant de remonter et gagner 3-2, quoi. C'est un truc de dingue. Il est resté concentré jusqu'au bout et il a réussi à bien remonter. Surtout que la difficulté, elle était énorme dans la troisième. Peut-être la troisième game où il était mené, mais genre ça a lagué pendant une heure. Et pendant une heure, le mec il était là derrière le blister. Il est resté calme, ouais. Ok, faut rester calme. Et il est resté, tu vois. C'était la difficulté supplémentaire, mais derrière, le play était là. Ah, okay. Il va se casser après avoir tué un drone. Nice. Ok, un drone qui est prélevé. Mais c'est Tadette qui s'est bien fait chicoter quand même. À mon avis, ça va être Phoenix. Oh, par contre, là, les guettes qui sont posées aussitôt. Il n'est pas forcément censé les poser aussitôt, donc peut-être qu'il va y avoir... Ah bah non, c'est Oracle. Oracle est à mon avis peut-être vers de l'Adept. Si Warp in 6 Adept et qu'il les balance, ça risque d'être chaud pour Violette de bien pouvoir tenir. Par contre, sous le nez de Ludominant, c'est un petit peu fou le truc, du coup, Sporuler en réaction. L'Oracle ne fera vraisemblablement pas de kill. Mais des fois, c'est un peu l'arnaque. Ah allez, je fais des Sporuler, ok, tu vas pas m'attaquer en fait. Boum, Adept. C'est un style très solide là qu'on voit de la part de Showtime encore une fois, même si c'est pas Phoenix, voilà, Oracle vers Adept. On a vu notamment Petit Drogo faire un carnage absolu, c'était à Leipzig, là où il a gagné, il s'est imposé, il s'est amusé avec Bly en finale, enfin... Oui c'est ça, je regarde. C'était fun quoi. C'est mignon ces petites unités. Ouais, et puis il va pouvoir transiter vers du Phoenix, hein. Phoenix Adept c'est fort, hein. C'est un peu comme Corruption, Roach, ça fait du dégât. Mais ouais, mais tu prends 30 secondes sur le Nexus. Ouais. Attention ici l'adepte, l'oracle qui est attendu. Bonjour, coucou. Ah quand même deux props qui sont récupérés. De toute façon il savait qu'il pouvait pas faire plus. Donc c'est là, tu prends, tu ne perds pas ton unité. C'est pas grave, tu as posé ta B3, tu as la gateway qui tourne derrière. T'es en train de développer un plan de jeu standard. Maintenant la question c'est comment répond Violette. Est-ce qu'il fait du timing 3 bases? Est-ce qu'il en prend 4? Est-ce qu'il joue bourrin par le couloir? On avait des joueurs siégés, on avait des joueurs posés le multitask. Mais on a des rallyes de tous les côtés. Ça doit être assez chaud pour Violette de prendre une décision déjà à l'heure actuelle, de se dire soit je vais faire du Roach, Hydra, etc. vers Lurker, ou est-ce que je fais autre chose, quoi, en fonction de la carte. Le problème c'est que voilà, attaquer contre quelqu'un comme Showtime qui est super bon en défense, qui va peut-être faire des disruptors, etc. Jouer avec que de l'armée au sol, ça risque d'être chaud. Ouais. Donc est-ce que peut-être il tente une Spire ou même de partir sur du Hive en faisant suffisamment d'unités et peut-être en prenant la gold en bas qu'on a vu, on la voit de plus en plus cette fameuse gold. C'est ça, bah Guru il avait lancé au sol genre full link, Roach Queen comme un gros dégueulasse, et puis bah j'avance, bah je prends la gold. Et t'as vu Jim contre Arsem? Non. Il a rushé Mothership pour la vie. Ah oui, et il a pris la... C'est n'importe quoi. Il prend la gold dans Cloak. C'était Arstem qui avait pris la gold, mais au final il a dû reculer, c'est Jim qui l'a prise, enfin c'était n'importe quoi. Ah ouais, non mais cette série hier, elle était...
fantastique. Le scandale, les deux joueurs ici qui sont en train de poncer leur économie tranquillou, et le joueur Protoss qui a accumulé quelques phoenix, qui repart sur quelque chose de plus classique. Pour pas, moi, pas vraiment de haras début de game au final. Ouais, c'est ouais. Ça. Pour moi, Violet, ça a toujours été un gros joueur de mid-game. Tu vois, il pose son économie sur 3 bases et après fait « Ok, attends, on va faire beaucoup, je vais essayer de micro-gérer, on voit comment ça se passe. » Alors Showtime, c'est le setup défensif par excellence à l'ancienne, à la Lilbo, c'est-à-dire des trackers avec le transfert. Tu rajoutes quelques selles, on a énormément de gate. Donc soit c'est pour défendre, mais ça peut aussi très vite se transformer en un timing 3 bases. Ah, c'est possible, mais il fait des sentries, donc à mon avis, c'est plus défensif. À mon avis, Showtime s'attend à jouer contre de l'armée au sol. Et bon, il peut scouter de façon s'il y a Inspire et s'il y aura de l'aérien. Et il va partir sur Blink, faire un peu d'immo. Et il peut faire du disruptor derrière s'il voit qu'il y a du lurker en chemin. Donc là, il garde toutes ses options disponibles. Il y a beaucoup de Protoss, ils aiment jouer avec du Phoenix, partir sur double production immo et ensuite faire du charge Archon. Et si jamais il y a de la muta, bah voilà, ils peuvent partir sur Phoenix ou même attaquer avant qu'il y ait de la muta. Donc là, c'est quand même un style un peu différent du style le plus classique qu'on a vu récemment contre Zerg, mais ça reste très solide, notamment sur une map comme ça où voilà, bah, si on regarde au niveau des probes là, ils sont à égalité à peu près. Ouais. Showtime est déjà set up sur ses 3 bases avec tous ses gaz. Et à partir de là, voilà, il peut faire ce qu'il veut. S'il veut partir sur Storm, il peut faire Storm. S'il veut faire Disruptor, il peut faire Disruptor. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est ça exactement, les deux joueurs qui ont calé leur setup. Et on va voir du Benling pour le joueur Zerg ici. Cet oracle qui a vu dans le futur et se barre au bon moment. Et on va, alors pas encore de drop, mais ça ne saurait tarder. On va pouvoir dropper des Benling. Enfin, c'est exactement ça. Dropper des Benling. Hein, on cherchait la finesse chez le joueur Zerg qui faisait Ravageur. Ils se sont dit ok, on arrête. Mais on fait des Benling, hein, bien sûr, on va les faire rouler. Pourquoi pas dropper un peu des Benling, voilà, écoute. Hein, parce qu'on a le... Toi et moi, je pense qu'on s'entendra là-dessus. C'est quand même rigolo de. Tu vois, le mec, il est en train de se protéger avec ses force field. Je sais pas si. C'est des super. Ouais, c'est défensif en fait. Il warpine beaucoup de sentries. Donc, je me demandais si Showtime peut-être voulait faire un timing, mais à mon avis, là, il est concentré sur la défense. Attention, là, il y a beaucoup. Ça rentre. Force field. Oh, je vais force field quand même. Là, il y a pas grand chose qui va passer. Non, il faut partir, Violette. Rentre chez toi. Pour l'instant, c'est un peu parfait. Alors, il aurait pu le piéger hein, là derrière. Attention, ça s'est rapproché très près. Ouais. Je pense qu'il voulait jouer genre la sécurité. J'ai tenu le premier gros timing. Ouais. T'investis massivement. Ok, genre dégage. On verra plus tard. Maintenant, Showtime, le but c'est identifier que le gars transitionne un minimum. Il y a une quatrième base. Tu vas faire des lurkers. Il y a le speedway. Et il y a les fameux drops. Tu penses que ça risque de contre-attaquer là? Parce qu'il n'y a pas de tech derrière ça, un Showtime. C'est que de l'immo, de la sentry et du stalker. On se croirait sur Heart of the Swarm. Ah ouais, bah c'est du Lilbo pur sang ici. Bah, est-ce que c'est pas l'échec justement dans ce genre de situation? Surtout quand t'as la cliff sur la hauteur. Si tu n'as pas la vision, le mec peut t'arriver sur le côté et pan dans ta masse de sentinelle. Ouais. Ah, là, s'il lui drop dessus, là c'est fini. Hein. Les sentries qui pourraient tomber en deux coups de cuillère à peau ici. Attention, les crochets et centrifuges qui sont recherchés pour les Benling de Violette. L'engagement qui va avoir lieu. Attention, l'armée qui n'est pas regroupée pour le joueur Zerg. Où sont les overs? Il a pas les overs? Non. Ouais, pourtant il a l'overspeed, c'est en train d'arriver. Il les a pas montés, il les a cachés. Il lui faut la micro à la Naniwa là. S'il réalise ce qui se passe sur time, il faut qu'il recule, il faut qu'il force file, il faut qu'il snipe les overs. Non, il les ignore. Attention. Ok. Ah, tous les overs qui tombent, joli, Showtime. Et il a tout Showtime qui a fait le kill. Showtime. Pour l'instant, c'est absolument parfait, il va pouvoir couper les Israélites. Voilà, tranquillement, avancer avec les immortels. Gros DPS passif. Oh, génie, ici, là, il a perdu aucune force, aucune sentry. Et va pouvoir complètement découper l'armée de son adversaire. Le mec est. Regarde les unités perdues, il a presque rien perdu. Les drones qui sont sortis. Showtime qui est en train de faire super mal à son adversaire ici. Peut-être en train d'enfoncer le clou. C'est ça, complètement en train de le défoncer et prêt à prendre son deuxième point face au joueur. Un peu de bruit pour Showtime ici. La grosse machine. Protoss absolument pour le moment inarrêtable. Attention, nouvelle initiative du lurker, mais ça sent bien trop tard. Voilà, bam. Oh la gestion, ici de Showtime qui est parfaite. On a plus d'unité chez le Zerg. Les drones qui sont sortis et c'est le 2-0 qui est en train de se profiler pour le joueur allemand ici. Attention Violette. Violette qui a peut-être été trop prévisible sur ce coup-là. Il tient pas mal là quand même. Hein. Il finit par tenir, mais bon, si on regarde la pop, Showtime quand même encore devant. Il a tué 34 drones, donc Violette qui peut-être va essayer d'all-in là, mais je pense pas qu'il aura assez de toute façon. Et derrière ça, il y a la B4 de Showtime qui a complètement déroulé, a été beaucoup trop solide encore une fois là, je pense, pour le Zerg. C'est ça, more Stalker, please, on continue à en faire un maximum. On arrive sur les lurkers, il faut faire attention, ça reste quand même le meilleur contre qui soit pour exploser. Bah, c'est la meilleure unité du jeu. Hein. Quoi? Clairement. Comment? Clairement, bien sûr. Attention. Non, mais les lurkers, ça peut dire non à ce type d'attaque. Faut faire extrêmement attention du côté de chez Showtime. Même s'il semble avoir une énorme avance, tu te foires sur un blinkin et t'as toute ta pop qui pète. Oh là là! Oh, surprise! Qu'est-ce que tu vas faire?
récupère les sentinelles. Oh, là oh la là. Puissance, tu sais. Et à un moment, ah, il y a des lurkers, j'ai peut-être contré. Ah bah non. Oh dégage, please. Ah oh, non, dur. Oh ouais. La pression. Ah, Violette qui... Bah Violette c'est qui a ça. Perdu tout simplement. Oh là là. À mon avis, Violette, il est pas bien là. Ouais, aucune unité pour scarapater en dessous du forcil. Ouais. On parlait de bonne unité Zer, qu'est-ce que tu penses de la sentinelle, mon cher Todd? Hein? Un petit mot peut-être? 6 ans de cauchemar! 6 ans de cauchemar! Yogo qui. Non, non, mais ça, c'est la grosse passion du joueur qui a le réflexe. Ok, ça se passe bien en bas, et ben je monte dans ta main et je suis capable d'exécuter quelque chose de bien filou, aïe. Bien sûr. 162 pop à 80. 1 x 2. C'est un beau ratio à StarCraft. GG. GG! 2-0. 2-0, faites un maximum de bruit pour Showtime! Violette dans la difficulté, il se fait un peu arnaquer sur la première game, la seconde il veut attaquer, on lui dit non, et finalement la contre-attaque qui vient derrière, il va peut-être falloir aller chercher la macro game ou alors le à la gourou, tu vois, en mode direct, dès les 3 premières minutes de game, il y a des verglings dans ta base et je suis chiant quoi. Ouais, déjà à mon avis il faut qu'il réussisse à pas craquer sous la pression parce que là après deux parties comme ça j'avoue que je serais en tilt absolu personnellement. Ouais. Et bah, ça nous rappelle cet affrontement avec Moment où effectivement On en est là. Tu veux nous en parler? Ne rigole pas s'il te plaît, j'ai entendu parler de l'OGSL, un fameux top 4. Que s'est-il passé? Tu vas nous l'énerver Todd là. Ça fait deux mois que Yogo, où as-tu fini d'ailleurs dans l'OGSL? Hein? Où as-tu fini dans le jeu? Moi, je fais top 8. Moi, j'ai une petite anecdote, tu vois. Je me rappelle les premiers tournois Warcraft 3, tu vois. Il y avait des tournois où il y avait des pofs, tu vois. Et tu venais de perdre une game contre Moon. Puis Irinem le ripait, gros enfoiré de Night Elf, un truc comme ça, tout le monde bidonné sur le stream. Est-ce que t'as souvenir de cette époque, mon cher? Non, pas du tout. Ah là là, c'était tellement bon. Manœuvre. Mais t'avais gagné le tournoi, je crois, derrière en plus. Bien évidemment. Mais bon. Il y avait beaucoup trop là, je sais même pas pourquoi on montre ça, ça a été tenu de justesse. Ah ouais, non mais là il y a les mortels derrière moi, non, non. Ah, il avait tué 34 drones là, c'était juste plus possible pour Violette déjà. C'est dans ce genre de situation en fait, t'as quasiment l'espoir. Si tu arrives à consolider un setup avec des lurkers, tu peux tenir. Maintenant le mec il est parti dans la main en fait. Donc c'était coincé. C'est vrai que à la place des pendlings droppés, s'il avait transformé en lurker, ça aurait probablement marché un peu mieux. Mais gros move de la part de Showtime et qui quand même met 2-0 à Violette. Alors après, les Coréens ont cette capacité à remonter des BO, à perdre les premières games et à remonter et à apprendre de leurs erreurs. On espère juste que là, Violette a vraiment compris ce qui pouvait marcher contre Showtime. Parce que là, il n'a plus le droit à l'erreur. Et ce qui est dur en fait, c'est que dans la tête de Violette, c'est tu ne peux absolument pas anticiper ce que le mec va te faire sur la dernière game. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu penses qu'il est en train de se dire quoi là dans sa tête, Violette? Il va falloir se compter. Peut-être non, erreur, il est en train de se dire il putain a peur de Protoss. C'est ça. Okay. Sentry, c'est trop fort et tout, putain, je le savais. C'est ça, t'es là, j'espère qu'il va pas me faire DT au moins. Est-ce qu'il a un peu d'âme? Est-ce que ça se proxy des gates sur Legacy of the Void? Quelle si question tu si tu t'appelles Az, oui, bien autrement, sûr. Probablement pas, non. Tu peux avoir du quadruple proxy. Maintenant, tous ceux qui l'ont tenté en tournoi officiel ont lamentablement échoué. D'accord. En tout cas, on est reparti. Un homme que l'on espère absolument pas en tilt. De toute façon, c'est un joueur pro-gamer. Il doit avoir des nerfs. Il est courant. Il se joue. Violette. Et au sud-est, bien sûr, du côté de Nice, pour la team Millennium, faites un maximum de bruit pour Showtime! Qui a tout simplement été au-dessus jusqu'ici dans ce match. On dirait qu'en fait, il a utilisé ses matchs précédents et on a vraiment appris quelque chose. On a tiré les bonnes conclusions parce que, comme on l'a dit, il a sué dans ses matchs précédents et là, il se retrouve en quart et en fait, non, c'est beaucoup trop facile pour lui. C'était peut-être une grosse fausse indication en fait pour un Violette qui ne connaît peut-être pas beaucoup Showtime en mode ok, il est complètement nul. Non. Surtout que pourquoi est-ce qu'il n'a pas beaucoup de points WCS? Parce que, au Winter Championship, il arrive, bim, Nertio, meilleur joueur foreigner que l'on retrouvera demain face à Paul, justement, comme à Katowice. Et tu vois, donc premier round, t'as le plus gros joueur foreigner. Donc voilà, tu tombes, ok. Donc tout le monde pense que t'es mauvais, alors que pas du tout. C'est juste que t'as eu l'un des plus gros adversaires au premier round. Donc là, enfin, Showtime a sa chance. C'est difficile sur les premiers rounds, mais du coup, peut-être un petit peu sous-estimé par un joueur qui vit aux États-Unis, tout simplement. Mais ça me ferait bien rire d'ailleurs si Showtime gagnait là.
ouais. Et ensuite jouer Cham au prochain tour. Encore un Zerg et ensuite Nershu en finale. Allez, allez. Le run, bien sûr. Proto. Un régal. C'est ça, enfin un régal. Il avait l'air de dire que c'était plutôt une malédiction pour lui de taper que du Zerg. Hein. Oui, puisqu'après ce match, on aura un autre BO5 qui vous sera commenté le dernier de la journée, le dernier quart de finale, qui verra s'affronter donc Jim contre Cham. Non, Massa contre Cham. Massa par, ouais. Contre Cham, pardon. Cham a battu Jim 3 à 1. Grosse surprise quand même. Ouais, un Mexicain qui n'est pas major, qui va loin dans un tournoi. Mmh. Cham est Mexicain, c'est ça? Ouais. Et donc Massa, lui, est... Canadien. Canadien. Coréen-canadien. D'accord. Et dans cette partie, par contre, là, on a un double Gates de la part de Showtime qui va faire un petit peu de harass avec ses adeptes. Donc c'est un build qu'on l'a déjà vu faire sur ce genre de carte. Derrière ça, il a beaucoup de transitions possibles. Il peut poser plus de gates s'il veut être plus agressif, mais c'est pas vraiment son style. À mon avis, soit Stargate, soit robot pour jouer plus ou moins solide. Ça peut être une bonne option sur cette carte, sur laquelle je l'ai vu faire des trucs de malade. Genre une fois, il a tenu un Zergling Queen all-in qui je pensais allait carrément passer. Il a eu la micro parfaite dès le début, du début à la fin. Donc ouais, j'attends de grandes choses de sa part là. Je vois ce genre de génie qui savent absolument comment multitask avec des unités qui... Enfin, synergise pas forcément, on va dire, immédiatement, genre de l'adepte avec du phoenix et compagnie. Ça bouge absolument pas pareil, mais entre les mains d'un joueur professionnel, ça fait des miracles. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun kill hein, tout à l'heure. Enfin, je l'ai vu dans des matchs précédents où il ouvrait comme ça, direct, ouais. Il y avait 3-4 drones qui tombaient. Là, pour ça va vite changer. Regardez, il y a numéro 3 et 4 qui arrivent sur la carte. Il va annuler ça, bien évidemment, ouais. Il va attendre qu'il y ait plus de renforts. Et par contre, ça risque de commencer à faire mal. Il essaie de faire un petit snipe juste avant que ça transfère. Et là, avec 4 adeptes, par contre, ça va commencer à faire très mal. Je sais pas si. Ouais, il y a pas beaucoup de lignes. Hein. Non. Il y a juste ces lignes. Il est en train de droner comme un fou là, Violet. Oh là, oh là, oh là, oh là. Et derrière 5 et ça, on a 6. Le Stargate. Attention. Et il y a 5 et 6 qui sont également sur le chemin. Donc attention à ne pas. C'est ça, il a pas pu jouer. Il est complètement sur le bloc. Il est en train de simplement lancer l'over. Là, il est coincé sur un pauvre 6 lignes. Bon, il y a les queens par contre. C'est quand même pas mal, hein. Ça défend bien hein. Maintenant les drones, voilà, il va la reculer, déjà un premier kill ici. Oh la micro. Et on téléporte. Il y va juste à temps pour tirer deux fois juste avant que ça transfère et tout quoi. Ouais, propre ici, Showtime qui est concentré et qui va récupérer maintenant 6 adeptes sur le terrain. Et ça devient une menace qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. En termes d'exécution là, franchement je suis impressionné par Showtime jusqu'ici sur ce match. On est pas sur mes games contre moment là. Pour remettre la petite référence, bien sûr, dans le plat de la queen. Oh là là, qui se fait complètement défoncer hors dehors du creep. Elle arrive sur le côté. J'ai l'impression qu'il voulait marcher sur le mur, pas de soucis. Et toujours pas de Roach Warren hein, pour le joueur. Non, même pas de Baninest en fait. Pour l'instant, c'est du pure link. Est-ce que ça ne couvre pas quelque chose même d'ailleurs? Ouais, il a un petit peu plus de gaz. Est-ce qu'il ferait. Il va peut-être essayer d'entourer tout. Oh, Banning Nest, attention. Il va laisser le Banning Nest. Il a pas dévot? Il a pas posé dévot, je crois. Non, ça a l'air d'être simplement défensif. C'est pas pour dropper dans les médias. Mais il y a tellement de. Est-ce que ça peut pas être un Banning Boss? Ça arrive, le Spine. Un méga banning boss contre Protoss, c'est possible. Ah, y a tout et n'importe quoi, hein. faut faire gaffe dans le match. Oh, regarde, il fait le... Oh là là, il y a beaucoup. À l'ancienne, hein. Je crois qu'il en a marre, la Violette. Hein. Ouais. Pour le sortir, le banning boss, donc banning boss, ça consiste en quoi, Hugo? Ah, bah tu fais beaucoup de banning, c'est une sorte de petit bombardier kamikaze qui casse absolument tout et après les. Et tu pètes le wall adverse, c'est ça? Voilà. Et les sauterelles se frayent un petit chemin. En fait, les bannings font super mal aussi aux adeptes, c'est ça qu'il faut savoir. S'il fait péter tous les adeptes et qu'il casse le wall et qu'il rentre avec des lignes, bah voilà, c'est fini. Mais bon, après, il faut se souvenir qu'il y a les overcharges qui vont faire super mal, les phoenix qui pourraient voir ça, commencer à lever les bannings et les tuer. Et il y a Showtime qui est super enflammé aussi, il est au milieu de la carte là, il se doute pas du tout que ça va arriver, donc ça peut faire mal, attention. Non, mais c'est un gros attaque, vu. En fait, hein. Il commence. On a vu et il va voir les bannings juste au nord, le joueur Protoss qui se rend compte de l'entourloup. Oh, il va reculer derrière son voile, il va réussir à transférer. Oh, il est derrière, le deuxième joueur qui va revenir. C'est reculé, il va falloir des sentries tout de suite. Pourquoi il va là? Est-ce qu'il peut tenir le Nexus? Est-ce qu'il peut le tenir? Oh là. Ok, il arrive à péter les deux pylônes, le Nexus qui se fait péter, mais ça a pas du tout marché. Mais il a cancel là. Il était censé go, c'est un all-in normalement, ça peut pas passer autrement. Et il a pas go sur la B2. Non, c'est ça. Et là, il a tué deux pylônes avec son banning bus. À la limite, tu vois, si t'arrives à faire une transition avec du beurre au-dessus à la moment, t'empêches une excuse d'être reposé, des trucs comme ça, des trucs de filou, ça peut fonctionner. Mais là, il se contente de tuer une B3. Alors, comme tu le disais, t'es quasiment sur un all-in où tu dois faire plus. Ouais, donc en fait, il a fait cette version où il essaie de passer devant économiquement avec cette attaque. Ce qu'il a plus ou moins réussi à faire, il va passer devant en drone là très bientôt. C'est pas encore le cas. Mais là, le fait que Violet ait déjà une saturation sur la B3, ça va bien évidemment. Bien évidemment être bien, par contre en tech, il aura zéro, il aura que quelques queens, il a pas vraiment encore de sport et du coup il va se faire punir par les phoenix. Donc Showtime est bien. La seule limite pour l'instant de Showtime, voilà, c'est l'énergie sur ces phoenix, parce que pour l'instant, complètement incontesté dans les airs,
Et bah, Showtime qui refait sa vie. Maintenant, je trouve que c'est toujours bien. Contre Protoss, le truc sur lequel il ne faut pas tomber, c'est le Protoss, il récite son Build Order. Plus tu fous la merde dans ce qu'il fait, mieux c'est pour le Zerg en général. Parce que tu as passé un run by, un drop bending, un machin, un bidule, car le mec ne s'y attend pas. Ah, j'adore la double robot sur la B3, quoi. Si tu l'as fait dans la main ou dans la B2, il faut que tu ouvres ton wall à chaque fois que tu veux sortir avec des immortels. Et si t'as pas un zélote dans ton wall, et bah c'est là que les lignes rentrent et te tue tout. Du coup, avoir ça sur la B3, ça va lui permettre d'être là directement dans le fight. Ouais. Et il a fait ça notamment contre Guru quand il a joué sur Frozen Temple précédemment, qu'il a fini par battre sur cette carte après une partie très longue. Et ce qui est malin, c'est que ça lui permet en même temps de waller pendant que l'on perd maximum de drones sur des phoenix. Bah toujours. T'as toujours pas de sport. Oh, relou. Oh mais non. Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est un moment où t'as pas de sport, tu perds des drones, donc tu dis je vais pas investir dans des sports. Et donc tu repères des drones, mais tu dis j'ai perdu beaucoup de drones. Oh là là, les mecs. Oh là 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 là. Il a même ça pas... sent le 3-0 les amis. Il a même pas de l'air encore la Violette. Oh, yo, yo. Sa tech est trop tardive. Et c'est ça, il a dépensé trop de gaz dans ses bellings et les bellings n'ont pas été assez rentables en début de partie. Et là il se retrouve à galérer avec des pauvres Zerglings ici. Aucun dégât ne peut être généré. Ce qui est marrant, c'est quand même les canons à photons en fait derrière. Le mec il est en train de. Non mais regarde la pop, regarde la pop. 121 à 91, le mec a 32 pop de plus. Enfin, Showtime est juste au-dessus pour l'instant. Il va choper quelques Zerglings. Et je sais même pas c'est quoi le plan là pour Violette en fait. Il est en train de faire le plus un mêlée, mais il va faire du Roach Hydra. Et il sort, c'est 7 premiers Roach. Il va dropper du Banling ou c'est quoi? Il va dropper des Roach. Ou c'est la transition. Non mais je sais pas. Ou alors tu veux encercler tes Zerglings qui font mal et faire du dommage avec tes builds. Peut-être qu'il veut du Ravager et Link's upgradé. Ça se faisait à une époque. Bah là, il va surtout se faire démolir, les gars. Ouais. Oh, à mon avis, Showtime va sortir un gros groupe d'immo. Il va faire du Charge Lot. Non, mais regarde, là la game est finie. Là. Sur ça bah, la game est finie, là. Il n'y a rien chez le joueur Protoss, là. Enfin, chez le joueur Zerg, il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a plus que chez le joueur Zerg. Ouais, en fait. Il est sur le point de sortir beaucoup d'unités. Il va lui falloir maintenant, attention, les Queens qui peuvent faire mal. Attention, les Phoenix sur le côté. Attention, les Phoenix. Et voilà, on est en train de lever tout le DPS du joueur Zerg. Les moyens de transfusion immortel. Ah ouais, c'est le maximum de dégâts. Attention, les premiers Hydra qui sont sortis, il faut partir. Attention, ça c'est le genre de petite boulette normalement. Oh non, deux. Oh lolo. Grosse erreur là, mais bon. Ouais. À mon avis, il aurait dû être pas go quoi. Il s'est un petit peu enflammé. Et ouais. Je pense qu'il a joué un petit peu à la Nib où dès qu'il y a moyen de sortir, il sort, il ricole instantanément. Maintenant, le point de ralliement immortel, je pense qu'il y avait un problème. 8 Overlord sur le point de se finir là pour Violette. Oh, donc ça va peut-être être que des unités à partir de là, même s'il a une B4 posée, ça lance le plus un missile. Mais en fait, il repart un peu sur le même scénario que sur la game sur Endion en mode j'ai mes drones, j'attaque et on voit comment ça se passe. Est-ce que je continue ou pas? Et tout à l'heure, on a vu que ça avait échoué sur une contre-attaque. Mais pourquoi le plus un mêlé alors en vrai? Pour les tu prévois le jeu Bending, tu prévois les run by Zergling, je trouve ça super intéressant. Maintenant, après, il fait pas de Link ni de Bending pour l'instant, non? Ouais, mais tu te gardes le pion sous le coude. En fait, tu sais jamais ce que tu vas faire dans ce game. Ouais, ok. Très bonne analyse. Chelou. Hein. Très bonne analyse, Dr. Yogo. Ah bah, comme dirait Coca, tu vois, t'es un peintre, tu vois. Combien ça fait? Non, mais t'as ta petite palette en Zerg et puis tu t'improvises. Pourquoi il fait les poches ventrales? Bah, tu sais pas. Peut-être. Effectivement. Oh là là, il arrive encore à faire des dégâts. C'est plus un symptôme de panique de Violette. Hein. À mon avis, il sait qu'il a merdé. Hein. Ah bah, il est complètement perdu, pour lui poser la question peut-être, mais... Est-ce qu'on pourrait arrêter la game et aller poser une question à Violette, s'il vous plaît? Toc toc, Violette. Et tu sais que tu es dans la merde, là. Comment t'appelles-tu, Violette? Comment? Tu sais que tu vas perdre? Ok, c'est chaud ici. Oh là là. Non, parce qu'on rigole, mais pour l'instant, il y a un joueur Zerg qui quand même monte en population. Abattre des phénix, de suite tu prends un petit 12, tu vois, 16 de pop. Hein? Non mais gars, arrête, Violette jamais il va la gagner quoi. Non mais j'essaie de vendre la game là, tu casses mon job là. Non attends, c'est pas dit parce qu'il n'y a pas de dégâts de zone encore chez à mon avis, chez Showtime. Voilà, le seul moyen par lequel Violette peut gagner, c'est s'il sort genre 14 lurkers, il arrive à faire un push de malade et Showtime derp complètement. Non mais 14 lurkers en plus ça se fait, il y a un moment t'as pas de pognon, le Protoss il attaque. Mais tu fais un petit run by comme ça, le Protoss fait demi-tour, tu vas en casser, tu transformes toutes tes rallies. Il y a des choses qui sont possibles. Et c'est beaucoup arrivé notamment quand il a joué contre Guru, il arrêtait pas d'attaquer, faire demi-tour, il se faisait sniper ses bases, mais bon c'était un style différent, il y avait beaucoup de lignes, attention. Oh. Ok, il y a que la moitié de l'armée de Violette ici, attention, l'autre moitié qui est là. Ah ça va faire mal, bah là c'est Dr Yogo, avait juste. Viens voir le docteur, bien sûr. La grosse contre-attaque qui vient d'être lancée ici pour aller faire mal sur cette quatrième base. Showtime maintenant a-t-il envie de faire demi-tour? On ne dirait pas, lui-même va prélever la quatrième de son adversaire. Fort il va bourrer et ça fait peur hein. Oh là là, ça fait peur techniquement trop. Non parce que là, la dernière release, elle arrive maintenant. C'est que dans 10 secondes. Et d'ici 2 secondes,
Il y a un 200 de pop Protoss qui déboule dans sa face. Oh, on y va. Oh là là, il va prélever au moins la B3. Il a prélevé la B4 et il va laisser le Zerg en sang. Attention, attention, Showtime ici qui pourrait infliger un dégât irréversible. Les villes qui sont évitées. Et qu'est-ce qu'on fait? En commit phare. Ce Nexus qui va être tombé assez gratos. C'est ça. La Terre de Rallye, attention, qui est en train d'avancer. Maintenant, on ne récolte plus sur la troisième base. C'est la catastrophe. Mais il y a la concave, quand même, du côté Zerg. Ici, le DPS Protoss. Les Phoenix qui arrivent et qui vont prélever toutes les hydraulis. Allez. Les drones qui sont sortis. C'est la misère pour Violette ici. Aïe. Il y a trop de Zerg qui est en train de prendre tellement lourd. Il se fait un petit peu défoncer. Le Warpin de Zelot. Et voilà. Chota. C'est le coup de grâce du Timing! Oh la vache! Il l'a complètement bourré, joueur coréen qui s'est fait saucer. Showtime beaucoup trop fort. Les relations entre la Corée et l'Allemagne viennent tout de suite de se refroidir. Voilà. Violette, le fair play, on peut l'applaudir s'il vous plaît, qui vient saluer ici Showtime que vous pouvez acclamer aussi. Oh le tarif du 3-0 sec. Oh là là! Showtime! Et voilà le mood d'un Showtime qui ce matin attend. Oh, c'est trop dur, Serge. Je suis maudit, je vais perdre contre Guru. Et après, le coréen, tac, tac, 3-0, hop là. Une France 98, c'est toi qui, c'est toi qui l'as coaché un petit peu à la moment, tu l'as motivé, c'est ça? Non, moi je regardais, moi je compatissais à sa PLS, quoi. J'étais à côté dans le fauteuil. J'étais un peu trop près de lui, la nuit a fait recul, là, t'es en train de mal l'influencer. T'es en train de baver sur la table. Ouais, énorme 3-0, aïe. C'est dur. C'est dur pour, pour Violette de la Team Envy quand même. Mais surtout qu'à Katowice, c'est pareil, il s'était fait sortir par un petit forêt d'heure juste avant la Dribac. C'était Blake qui était arrivé en mode BUM! Je te sors, ça coince du côté de chez Violette, mais voilà! Les foreigners un peu chaud. On verra peut-être demain aussi, puisqu'on commencera sur la première demi-finale. Nercho contre Paul, tu vois, petit rematch. Nercho Paul, pardon. Et du coup, merci Todd de nous avoir accompagnés pour ce match. C'est un plaisir. On peut du coup te retrouver demain sur le stream anglais. Tout à fait. Donc pour les demi-finales et grand finale, Smix qui va reprendre eh bien, le mic pour eh bien, tchatcher le bon Showtime. Et on vous rappelle qu'il reste encore un BO5 pour cette soirée. Donc c'est Cham contre Massa. Donc ça va être fat lourd. Ce sera en compagnie de Funka, Delic Verrier, ainsi que TKL, le fier TKL. Et du coup, toi Todd, quand est-ce que tu coaches TKL? Parce qu'il est très mauvais. Je sais pas, un jour, quand il m'apprendra à faire des bad puns comme lui. On envoie Smix qui est juste avec Showtime. Et on se retrouve juste après la pause, à tout de suite. Zerg, you kept your promise, and with that, you are now in the top four. You're in the semifinals here at TOR at the Spring Championship. Obviously, you're ecstatic, but tell us your thoughts. I was kind of a bit worried about him because he's Korean. Like, he's good at the game, and there was like no VODs to watch of him. So it was like hard to prepare for him, but I just like. Played my standard stuff pretty much, except like game one. So yeah, I'm pretty happy. Like everything worked out great for me. So yeah, I'm really happy. So just as you said there it was really hard to prepare against them. So when you're in that type of situation, do you just rely on your own experience and your own knowledge of PBZ? Because everyone knows you're very, very good at PBZ. Yeah, pretty much. Like I was expecting him to play standard stuff, not like a Guru. So I'm pretty confident in PVC, especially against like the standard stuff. So yeah. Well, your next opponent is going to be either Massa or Cham. Massa, obviously a strong Terran player. He reached top four last week at Austin. And Cham, another Zerg player. So there is a potential chance that you do face a fourth Zerg player. But what are your thoughts on who is going to come out of that matchup? And do you have a preference? Maybe you want to see Cham because you're really confident against Zergs now. I don't know much about Cham, I have to say, but Massa is really, really strong, so I'm kind of expecting Massa to go through. My PVT has been a bit shaky, I would say, but I've improved a lot in like the past 2-3 weeks maybe. So I hope I get to play a Terran and see how it goes. And my last question for you, now we do have our top four almost finalized.
With you moving on to meet Polt and Nurcio, so you do know the potential players that you may meet. Now, we just talked about Massa and Chen, but on the other side, the first semifinal is already set. It's Polt or Nurcio. So seeing as you have an idea of who you might face as you move forward in the tournament, what are your thoughts on potentially becoming a champion here? Well, I mean, as I said before my first match, I want to win this tournament. Like, it means a lot to me because I haven't had, like, the best results this year. So I really want to get the WCS points and win this tournament. But Polt and Nurcio are both, like, really, really strong. Especially, I think Nurcio is probably a bit stronger even. But I think I can beat them and I want to win. That's all. All right then, well, congratulations again, Showtime. He will move on to join Polt and Nurcio in the top four. When we come back from this break, we'll find out who is the final player to be our final fourth player that joins these three players. We'll find out after the break. It's Massa or Cham.